Bonjour. Excusez-moi. Ça va vous paraître complètement dingue, mais je viens de me réveiller là, dans les bois, et j'ai pas la moindre idée de comment j'y ai atterri. Non, David, ça me paraît pas dingue du tout. Comment vous savez que je m'appelle David ? On se connaît ? Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Calme, du calme. On est là pour discuter. Discuter de quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que tu me dises où est ton frère. Mon frère ? Mais pourquoi ? Ton frère a volé une chose précieuse. Un timbre. Une pièce unique d'une grande valeur. On m'a chargé de le récupérer. Attendez. Les magouilles de mon frère, c'est plein foireux, c'est pas mon problème. Eh bien, va falloir que ça change. Je sais pas où il est. Ça fait une éternité qu'on s'est pas parlé. Bon, voilà comment ça marche. Ton premier jour vient de commencer. Avant la fin du troisième, le timbre aura été rendu à son propriétaire ou quelqu'un mourra. Pas la peine de faire des menaces, hein. Je sais pas où il est. Alors, tant pis pour elle. Attendez, c'est une blague ? Je suis là pour te faire marrer. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Où est-ce qu'elle est ? Pour l'instant, rien. Mais si tu ramènes pas le timbre, crois-moi, t'auras vraiment des raisons de pleurer sur ton sort. Mais... je sais pas où il est, comment vous voulez... Démerde. Le numéro est pré-enregistré. Dans 3 jours, tu appelles. On récupère le timbre, tu récupères ta copine, et tout le monde est content. Faudrait que je me laisse faire. Mais je vais appeler les flics, et je vais leur raconter toute l'histoire. Est-ce que tu sais pourquoi je porte des gants ? Pour pas laisser d'empreintes. Ce qui est pas ton cas. Parce que tes empreintes à toi, les flics vont les trouver un peu partout. Et là-dessus aussi. Oh, c'est quoi ça ? Faut vraiment que tu vois quelque chose. C'est quoi ce bordel ? Ce bordel, c'est mon assurance que t'iras pas voir les flics. Parce que si t'y vas, je bute ce pauvre type et je lui envoie le flingue avec tes empreintes dessus. Attendez, tu n'es pas obligé d'en arriver là. Laissez-le partir. Et relâchez Sarah aussi. Et je vous promets que je vous aiderai à retrouver mon frère. Je vous le jure. C'est tentant. Mais malheureusement, les promesses ne valent pas grand-chose face à une arme chargée. S'il vous plaît. Je vous jure que je tiendrai ma promesse. J'en doute pas. Maintenant, t'as le choix entre 2 options. Soit tu te suicides après le meurtre que tu viens de commettre, soit tu penses à ta copine et tu récupères ce timbre. Thank you.